Il est clair que le cinéma togolais a pris son envol pendant la période coloniale. Des images ont été réalisées et gardées en archive par le colonisateur allemand. Dans le but de montrer aux Togolais cette réalité, le réalisateur allemand Jürgen Ellinghaus décide de se lancer dans cette aventure cinématographique. Le film a été projeté à l'Institut Goethe du Togo. 120 ans après les faits, que des archives allemandes qui sont uniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images qui datent de cette époque-là en Afrique, que des images de cette nature et de cette valeur soient restées enfermées dans les tiroirs des archives. Et je me suis dit, il faut que ça change, il faut qu'on fasse quelque chose pour les donner aux Togolais. Et après, l'idée, c'était sous quelle forme on fait ça. La forme était simple, faire en sorte que les populations togolaises concernées puissent visualiser ces images afin d'en faire des commentaires, le tout dans un package bien servi au public. On avait entre 200 et 600 personnes à chaque projection et les gens n'avaient pas de chaises, ou très très peu de personnes avaient des chaises. Donc ils sont restés debout pendant 1h30, 2 heures pour après la projection encore échanger avec moi. Donc c'était un écho vraiment formidable. Parce que les gens étaient curieux, ils voulaient voir quelle était la vie de leurs aïeux, quelle était la vie de ceux que les colons allemands avaient sous leur férule. Togoland Projection propose un voyage sur le territoire de l'ancienne colonie allemande du Togo, où les phases successives de la colonisation ont laissé des traces durables. Une réalisation faite non sans difficulté. Nous avons déjà l'autorisation de Lomé, mais arrivé sur les lieux, nous avons ces difficultés-là. Faire tout un tour pour pouvoir rencontrer les autorités avant de commencer le tournage. Après avoir fait tout le tournage, l'équipe est passée dans plusieurs villes. Plusieurs villes du Togo, ça veut dire plusieurs langues qui sont parlées. Donc pendant le montage, il faudrait trouver les personnes pour pouvoir traduire ces langues-là. La projection du film va continuer dans les prochains jours.